Yo les gens, c'est Oura, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Épisode entre guillemets 4 de Far Cry 4. En gros, ce qui s'est passé, j'ai eu un problème. 5 secondes, voilà. Donc j'ai eu un problème. Quand j'ai record un épisode de Far Cry, donc c'est cet épisode là, l'épisode 4. Sauf que j'ai eu un problème, c'est que le fichier était corrompu. Et donc comme c'est un jeu où la sauvegarde est faite sur un cloud, eh bien on peut pas revenir en arrière. Donc voilà, donc dans cet épisode, pour faire entre guillemets pardonner, en gros il s'est pas passé grand chose. On a dû aller voir. On a fini la quête avec sa balle, donc on a défendu l'avant-poste qui nous avait dit. En gros, ouais, entre guillemets, parce que on a dû aller voir sa balle, on a dû faire un choix. Puis on a dû défendre un avant-poste que je suis allé voir sa balle, sinon c'était aller chercher les informations. Et donc j'étais défendu l'avant-poste et comment expliquer? On se retrouve ici. Et puis pour faire pardonner, là ça va être un épisode d'exploration. On va aller faire des avant-postes, on va aller faire des tours radio pour. Il y aura pas l'action. Puis il y aura un épisode où on ira découvrir tous les points. Ici, tout le monde comme ça pour des points ici. Regardez, du inconnu. Les forteresses, on va peut-être pas les faire. On va les chercher. Alors, on est où? Où est-ce qu'on est? On est ici, camp du sentier d'or. Le plus proche serait d'aller ici. Donc, on va aller vite à cet endroit là. Hop, j'ai m'éviter une lumière parce que. Il fait noir, et oui, je me plains. Alors donc, je me rappelle d'où on était là-bas, un événement karma. On va aller le faire, tuer les gardes. Merci, mais... Merci le rhino. Merci Rhino, tu m'as sauvé la vie. Enfin, il m'a attaqué, mais il m'a sauvé la vie dans notre temps. Donc, par contre, j'ai pas gagné de point de karma. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, j'ai perdu des munitions. Non, il y a un tigre. Un jaguar. Il meurt. Je vais devenir paranoïaque, les gens. Hop, allez. On dépasse vite fait. C'est quoi? Ouh, c'est Rhino. Ouh, au revoir. Il me fait peur. Je prends ça et je me taille. Ouh. Oh non. Et d'où je prends des dégâts en fait? Et je comprends pas d'où je prends des dégâts en fait. Je comprenais pas d'où je prenais des dégâts. Bon, c'est pas grave. Bref. Merci. Alors donc là c'est l'avant-poste. Il fallait prendre l'avant-poste là. Jeton de mercenaire, ah oui, il y a jeton de mercenaire, il faudra que je l'utilise. On va se calmer, on va reculer. Hop, allez. Aïe, je ne loot pas lui. Pardon, excusez-moi. Alors, mes alliés vont venir m'aider. Merci de venir m'aider. Donc là c'est pas joyeux de foncer dans ta comme ça. C'est assez compliqué par contre.
peux récupérer une arme vite fait. Je me déplace. Tenez bon, on arrive. On arrive par la route. Je me déplace. On est prêt. Au revoir. Stop. Oh, je suis comme moi. Une munition. C'est pas trop. Die. Oh, voilà. Allez, là, mon poste. Bon, alors, bah voilà, on est là en poste. Plutôt rapidement en plus, hein, je tiens à dire. Hop. Bon voilà. J'espère que vous avez bien aimé cette scène d'action. Hein. Alors, des compétences. On va garder nos points de compétences. Arrêtez la maison de chiffon pour chasser des animaux rares dans la quête de Fashion Week. Oh. N'hésite pas à prendre d'autres avant-postes pour le sentier d'or. Ok. Alors. Alors, chaman, on va prendre le coffre, il y a un coffre ici. Hop. Ah, c'est calme. C'est bon, gars. Je parle bien à Edge Gale. Et qui c'est? Je vous expliquerai. Venez me voir à mon atelier. On ira vendre tout ça. Hop. Le jeu est vraiment magnifique, hein, graphiquement. Sincèrement. Il est vraiment magnifique. Ah, il y a un coffre. Bon, sous l'eau, mais il y a un coffre. Shankly Lager. On revient à la surface. Bon, alors, je sais pas vous, mais je serais tenté de faire un petit saut à Banapour, récupérer des munitions, et aller faire la tour radio juste après. On va faire ça, ça peut être très intéressant. En plus, on va vendre, on va pouvoir peut-être améliorer le SVD, comme c'est une arme que j'utilise pas mal. Hop, donc, on va aller débloquer le M133. Ah, cool, c'est le pompe que j'utilisais. Donc j'ai 22 000, donc déjà, donc vendre, hop, le outil bétir, ça me sert à rien, hop, munition max, c'est bon. Alors donc arme, le SVD, voilà, SVD, oui, voilà, bon. Est-ce que je peux l'améliorer? Je ne peux pas l'améliorer. Alors, c'est combien le prochain sniper? C'est ça que je me posais la question. Arc regourbé, dans ce flamme. Arme spéciale. Normalement, je devrais avoir le. Comment ça s'appelle? Le harpon. Ici, le fusil harpon. Le sniper, un sniper. Ici, le prédateur. 300 000. Ok, bon, on va économiser pour avoir ça. On va aller. Améliorer vite fait le JM9 si j'ai déjà tout, si j'ai pas toutes les améliorations. Il est pas magnifique ça. Il y a pas, et là c'est le silencieux. Oh. Et la peinture d'oreille est vraiment magnifique comme ça, je trouve. Ouais, bon ben je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Ah si. Voilà, juste ça. Alors bon, bah voilà. On va chercher la tour radio. Parce qu'on en a besoin. On aura une arme encore en plus. Tellement rapide les déplacements comme ça. Il faudra que j'économise pour la wingsuit aussi.
Ouais, c'est bien, mais je repars en fait. Donc, on va mettre. Ça va. Alors, donc, c'est ok, tout en haut. Peut-être dû prendre. Oh! Calme-toi, mon grand. Hein. En fait, c'est plus rapide sous l'eau. Ou sur l'eau. Je sais pas, mais quoi qu'il en soit, je n'en kick. Ça, on sort et puis on prend le sniper comme ça, en mode disrespect. Alors, je suis pas du tout le mec qui utilise des seringues, etc. Pourtant, c'est très utile dans le jeu. Mais bon. Végétation luxuriante. Les reflets du soleil, franchement. Ce jeu est vraiment super. Il n'y a pas une voiture quelque part parce que là, sérieux, c'est un petit peu long à la pied. Non. Bon, bah, ok, je vais arriver là. Avec les petites jambes. Hein. Prendre le. Je crois que. Ouais. Oh, punaise, j'ai le dol. J'aime pas tuer les chiens comme ça. Ok, moi, j'utilise des balles à rien en plus. On va prendre les. Pots. C'est-à-dire les munitions, les pots. Franchement, j'ai par balle, il a pris. Cher. Enfin, cher, il a pris des dégâts. Hop, il y aura plein de missions de tâches, etc. à faire, hein, je tiens à dire. Donc, ce sera dans un épisode quête secondaire. Je sais pas quand ça sera, mais ça sera à un moment. Et donc, ok, donc c'est là. Et là, c'est le territoire des loups tibétains. Donc, là, voilà, on court plus vite avec le petit. Avec la JM. Qu'avec le sniper. Enfin, ce qui est logique, parce que. Alors par contre, non, c'est seulement une voiture serait la bienvenue parce que sérieusement... Un aigle, c'est bien, il y a un aigle. Moi j'ai une voiture. Ah, une voiture, voiture, voiture. Merci. Oh, au moment de moi une voiture, il y en a une qui arrive. Ah bah vous mourrez. Hein. Prendre la voiture derrière. Ouais. C'est pareil. J'adore les véhicules comme ça. C'est un petit peu comme les Volkswagen. Les combis. Un peu comme les vieux combis. Et je dis pas, mais la vue intérieure elle est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment magnifique là, l'intérieur. Hop. Oh, des ennemis. Moi je fonce dedans comme ça. Voilà. Vous voyez, là, ça s'appelle la propagande. Hop. Et on entend encore ce slogan. Alors donc... Ok. C'est pas le même pattern pour chaque tour radio. Et des abeilles par contre. J'aime pas du tout. Alors, une note. Pagamine tient à vous rappeler que les clochers du Kirat ont été officiellement condamnés suite à un non-respect d'une longue série de mesures d'hygiène et de sécurité. C'est uniquement pour être bien que Pagan interdit l'accès à ces dangereuses reliques du passé. Que la lumière de Pagan vous inonde, le ministère des Affaires publiques et de l'harmonie sociale. Moi je dis, fuck it. Parce que tant qu'on n'embête pas les abeilles, c'est bon. Bon, attendez, je vais faire une ellipse. Ellipse. Excusez-moi, le micro qui est coupé. Heureux, les amis. Alors, donc, on était ici. Ah, ok, c'est là.
les tours radio, c'est... Faut y aller en mode... Je réfléchis. Ce qui ne m'arrive pas souvent. Je réfléchis, je cherche, voilà, c'est ça. Hop. Crève, voilà. Non, les balls, hein, je tiens. Les abeilles, ça enlever. Voilà, hop, affiche de propagande. Et on retire ceci. Mon putain. Voilà, alors. J'aime pas du tout les trucs comme ça de propagande, etc. Sincèrement, c'est vraiment pas un truc. Ouh, j'ai cru que j'allais tomber. Alors donc, c'est par où maintenant? Ah, ok, ouf. J'aime pas les trucs comme ça. On tient sur une petite planche. Planchette comme ça. Bon, ça commence à faire haut, la grimpette. Et je veux vous dire, je vous confie un truc, j'ai le vertige RL. Et. Rien qu'en faisant ça, j'ai un peu mal au cœur. Mais bon. Bon, bah voilà. C'est fini. Donc on va aller remettre le clocher. Voilà, merci. Et voilà, on a une nouvelle arme gratuite. Clique des partisans. Ah, il y a un truc là-bas. Une affiche de propagande. Ensuite, shorten de la grande sécheresse. Bûcher de Banachour. Il y a un coffre. Ok, bon, ben voilà. Voilà, donc la propagande c'est fini. Gratuit. Oh, un petit. Oh, on va l'acheter, tiens. On va aller chercher à récupérer plutôt. Il peut pas faire un saut comme ça sans crever. Je sais pas, tu fais ça un saut. Tu fais un saut comme ça IRL. Bon, tu te fais mal aux jambes, mais tu meurs pas. Tu fais un saut de 5 mètres. Ouais, tu te fais très mal, mais tu meurs pas. Ouais, je pense. Oula, je vais parler tout seul comme ça. Enfin, dans le fond, je parle tout seul en recordant, mais. C'est pas pareil. Alors, est-ce que j'abuserais de la technologie de la téléportation ou je ferais une mission comme ça? Ouais, bah, ton assistance d'urgence, tu auras pas tout de suite. Alors, donc, il y a un camp ici. Un camp là. Une forteresse ici. Bah, j'irai bien là-bas, Banapour. C'est un épisode uniquement réservé à la conquête. Donc, je sais pas ce qu'on va faire encore. Parce qu'il faut pas que l'épisode soit trop long, parce que sinon c'est galère pour moi, pour l'upload, pas pour le montage, pour l'upload. On va voir. Le MP34, bon, on va l'acheter. Donc ça fait... Oh, 69 000. On va vendre ça. Là, on peut l'avoir rapidement. La pote panthère nébuleuse, on vend pas. Donc, arme... Ce MP34. Il y a quoi qui pourrait être intéressant à acheter ici? 142 000. Le RPG ça sert à rien. Un petit fusil d'assaut à la place du SVD ça pourrait être intéressant. C'est ça que je me dis. Ou bien on attend pour acheter une arme spéciale. Je peux déjà avoir les deux là. Mais ces deux armes. FAMAS, non, peut-être pas FAMAS. Je sais pas quoi acheter, sincèrement. J'aime pas trop les arcs. J'ai pas une arme. Non. Et ben vous savez quoi, on va prendre la PK. Ah, j'hésite là, je sais pas quoi prendre. Je sais pas c'est quoi cette arme. Je vais essayer vite dehors. Vite fait essayer. Il y en a quoi elle ressemble, etc. Pour savoir c'est quoi comme arme. Et si on peut lui mettre une lunette, ça pourrait peut-être remplacer le sniper.
normalement ici. Voilà. Ah. Ah d'accord. Ah intéressant. Elle est vraiment intéressante cette arme. Plus pas de munitions, bah on va l'améliorer, puis on va l'utiliser à la place du sniper. Hein. C'est bien ce que je me disais, une arme comme ça, ça pourrait être intéressant. Pas mal de munitions, pas. Elle risque de faire mal, donc voilà. Excusez-moi si vous entendez le bordel derrière. Excusez-moi. Hop, donc plein de munitions, voilà. L'argent baisse rapidement par contre. Sincèrement, dans ce jeu, l'argent baisse très rapidement. MP34, voilà. J'aurais pu faire comme ça directement en fait. Vous avez essayé. Cadon, je peux pas changer, je peux pas changer, je peux pas changer. Alors. Qu'est-ce que je peux. Est-ce que j'achèterai. La libérée de clocher pour l'avoir gratuitement. C'est vrai que dans le fond. Précision dégâts, J'ai quoi pour que je peux acheter maintenant? Ouais, bon, je suis tenté de l'acheter. On va l'acheter. Voilà. Bon, bah je l'ai acheté. Hop, on va la mettre ici et on va. Alors, est-ce que je mets une visée laser ou un chargeur? Je mettrai plus le chargeur et je changerai le camo. Le primal est pas mal. Granit est stylé, mais on va prendre le. Bon, non, on va prendre le chasseur. Le chasseur, il est stylé. Quand j'utilise mon argent comme ça, wow, j'ai aucun respect. On va acheter ça. La wingsuit. Ah, je pouvais acheter. Ah, merde. Bon, eh ben, c'est pas grave. On va aller se faire un avant-poste. L'avant-poste qui est ici. Ouais, non. Je pense qu'on va cesser là, en fait. Sinon, l'épisode sera beaucoup trop long. Bon, ben, on va cesser là, hein. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo exploration, prise de pouvoir, etc. Regardez, il te fait à quoi elle ressemble. L'arme. Allez. Oh, elle est stylée. Oh, il y a un éléphant là-bas. L'éléphant, ils sont balés. Ah, j'ai tué le requin, ça y est. C'est soit le requin, soit le truc. Hop. Tant que c'est son sang qui coule et pas le mien. Oh, c'est un poisson. Ah, un poisson démon. Je sais pas ce qu'on peut faire avec ça. Je tuerais bien l'éléphant. Voilà. Alors on va. On va monter sur l'éléphant pour le dépecer. Très drôle ça. Alors. Morceau de viande. Ok, ça donne que de la viande. C'est pas intéressant l'éléphant. Alors, est-ce que j'aurai assez? Ça c'est vraiment un truc que je me demande. Est-ce que j'aurai assez pour acheter la wingsuit juste avec le morceau de viande d'éléphant? Si j'ai pas assez, je rentrerai ma peau de machin. Ma peau de léopard tacheté. Euh, 5 000, ça fera 10 000, 18 000. Donc non, je ferai pas assez. Alors, confection et à compétence. Qu'est-ce que je peux mettre? Rechargement en courant. Ah oui. Pardon. Je dépense mes bras comme ça. Sur le pied de guerre, changement d'arme. Voilà. J'ai insta-buy mes compétences. Et confection, qu'est-ce que je peux faire? Il y aura un épisode réservé à ça. Bon, bah voilà, c'était tout. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, ben, likez, partagez et abonnez-vous, hein, surtout. Et puis, tous ces gens, et puis au prochain épisode. Allez, salut!